Alors, l'émission Enjaillement de Kunta Made a aidé mon Amesson pour cette mission-là. Comme Caroline l'a souligné. Là, je réussis votre ou pas. Votre quoi, Amesson? Mon Amesson. Ah, j'ai entendu mon Amesson. Mon Amesson. Tu sais, quand tu vas en mission, là, tu as des âmes. Voilà, ça dépend. Tu vas à la pêche, en brousse, tout ça. Donc, on regarde ensemble si j'ai réussi ou pas. Bien. Elle est après 15-2 et depuis quelques semaines, elle a intégré la grande famille de C-Midi sur RTI1. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici Prissy, la dégameuse. Quel cachet? Ah, mon cachet. C'est transport. Quel transport? Mais non, je suis désolée. Non, je suis l'artiste. Mon cachet. Demain. De me lancer pour arriver à la maison. Hein, je veux, il n'y a pas. Et mon carburant. Attends, non, je suis la directrice. Madame la directrice, il ne me donne pas mon cachet. Comment je suis de la maison? C'est quelle exploitation ça? Hey, la directrice m'a jamais fait ça. Moi, tous les jours, même quand je ne travaille pas, je viens chez la directrice, elle me paye mon transport. Même quand je ne travaille pas. Et bien, moi, je vais demander mon ré, j'ai tourné là-bas. J'ai tourné mes rêves, j'ai moulé. J'ai tourné comme ça. Je vais envoyer ces rêves, juste que je me suis abaissée. Et puis, tu vas toucher le sol? Non, je ne pourrais pas toucher le sol. Il y a des enfants dans la salle, c'est que moi, je n'ai pas de degré. Je fais attention aux enfants. On m'a dit de canaliser, j'ai canalisé. Les enfants étaient là. Et puis, le chef comptable me dit que moi, il ne me donne pas mon cachet, que moi, je suis dans la maison. Je dis, ah non, non, la directrice ne va pas accepter ça. Il faut que je vienne lui dire. Il y a certaines choses, vous n'êtes pas au courant. La chose se passe derrière vous. Donc, vous êtes venu me dire. Oui. D'accord, je comprends. Je prends bonne note. D'accord. Non, quand on enregistre une plainte, on enregistre et puis après, on avise. Non, madame, il ne faut pas en faire comme au commissariat. Madame, moi, il y a trop de madame. Il faut faire en faire maintenant en partie. Faire quoi? Madame, il dit. Mais donc, pas chercher Kunta pour venir. Madame, je sais compter sur vous. Monsieur, vous êtes d'accord avec moi? Je vous explique. Moi, je travaille ici dans cette radio. Mais en plus de la radio, je suis une artiste chanteuse. Je suis une star. Je vous connais. Je vous connais. Donc, là, je fais une prestation devant un public qui m'a acclamé. J'ai refait ma chorégraphie rien que pour ce spectacle-là. Est-ce que je peux revoir la chorégraphie? Oui, c'est bien. J'avais pas l'habitude de m'abaisser. J'avais pas l'habitude de m'abaisser, mais aujourd'hui, je me suis abaissée. Ah non, c'est formidable. Comment tu vois ça? Ils exploitent les artistes. Quand tu avais m'exploité, moi, ma jeune carrière qui commence à peine. Mais tu as mis de mon transport. Ça fait 20 ans que nous sommes exploités. Donc vous êtes exploité, vous êtes habitué. Non, 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 il faut que le changement commence par moi. Madame, est-ce que tu penses que devant ma directrice... Madame, chacun a son amour. Chacun a son amour. On peut voir... Ah, madame. C'est quoi l'amour? On peut voir ça, ça a parti, même si ça a révélé. C'est quoi l'amour? Non, attends. C'est le système. Non, je te dis déjà, il va te dire un truc. Il va dire, mais mon frère d'Abobo. Eh, Seigneur. Madame, si madame allait dans le transport, on n'était pas... Non, non, je suis... Non. C'est fait, non? C'est fait maintenant?